En gros, un vrai soulagement ce soir pour Réa qui remporte ce premier succès de la saison en championnat à domicile. C'est quoi le sentiment ce soir? Ça fait forcément plaisir. Ça fait forcément plaisir, surtout à domicile. Et maintenant, on se dit qu'il faut vite oublier et vite enchaîner. C'est tout. Un petit perso, un doublé. Explique tout un peu. Le pénalty déjà, et puis ce deuxième but à côté. Non, le pénalty, tout simplement, j'étais le tireur désigné par le coach. Donc j'ai pris mes responsabilités et j'ai fait ce que j'ai fait. Et voilà, le deuxième but, c'est une très bonne passe de Flammarion. Et j'ai essayé de finir et ça a fini au fond. C'est énorme pour la confiance. Ouais, si, c'est bien. Je pense que j'aurais même dû en mettre 3. Donc, donc c'est bien. Je suis content. T'as dit un peu en début de saison, est-ce que l'arrivée de Isabelle Contari t'a fait du bien? Ouais, c'est clair. C'est un coach qui apporte beaucoup de confiance à ses joueurs. Je pense pas qu'à moi, mais à beaucoup de joueurs. Donc c'est bien, et maintenant faut enchaîner une dynamique. T'as un rôle de pivot, hein, c'est un nouveau rôle pour toi cette fois que tu joues dans cette façon-là dans le système de jeu? J'ai déjà joué comme ça, j'ai déjà pas joué comme ça, donc moi ça me va très bien, et voilà, je fais ce que je sais faire. Comment garder cet état d'esprit pour aller étape par étape, aller chercher le maintien? De toute façon, on n'a pas le choix de le garder, hein. Même si on a gagné, on est toujours pour l'instant dernier, donc on n'a pas le choix de le garder et d'essayer d'enchaîner la semaine prochaine. Merci beaucoup.